Incroyable transition en Guinée. Incroyable. Avec les promesses du 5 septembre. Oui, nous allons sortir la Guinée du trou. Oui, nous allons faire l'amour aux Guinéens. Ah, Kabako. Ah ouais. Donc, vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça, votre bienfaiteur. Ça dit, des fois, je m'assois, je me pose la question. Vous, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu demain? Ça dit, vous avez tué tous ces gardes présidentiels. Tous ces morts-là, pour ça. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu demain? Le jour du jugement. Bala Samoura, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Là, il m'a dit, Doumbouya, qu'est-ce que vous allez dire au bon Dieu, à Allah Tout-Puissant? Vous avez tué ces gens-là pour tous... Pour ce désordre, la misère qui est sur les Guinéens aujourd'hui. Et comment le président Alpha Condé faisait? Comment le régime du président Alpha Condé faisait pour donner le courant 24 heures? Comment ceci s'arrangeait? Bande d'incompétents. Bande d'incompétents que vous êtes. Comment les autres s'arrangeaient? Les docteurs Kassori en prison aujourd'hui. Comment les Damaro faisaient pour donner l'électricité 24 heures aux Guinéens? Expliquez-nous. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Vous n'avez pas honte de laisser la capitale guinéenne dans le noir. Vous n'avez pas honte. Omouya Guima, Alte Maluyala, à Hersata. Hein? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'avoir tué les gens le 5 septembre. D'avoir humilié votre bienfaiteur, celui qui vous a tout donné, le président Alpha Condé, pour ce résultat. Cherté de la vie, misère partout, le chaos partout, l'incompétence. Non, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça dit, quand moi, je m'assois, j'analyse la situation, je dis, hey, est-ce que ces gens-là, ils sont conscients de ce qui les attend demain, Al-Kiyama? Ça dit, vous avez pris les armes pour tuer les gens, pour venir mettre les Guinéens dans la misère. Le peu qui était là, même conserver ça, vous êtes incapables. Ah non, le CNRD, ça dit, vous êtes la définition du mot honte. C'est le résultat. Et les bandits ne pensent même pas à partir. Et vous pensez que les Guinéens, dans Kanana Moutanfora, que c'est la malédiction qui est sur nous, on va s'asseoir, on va vous regarder. On va vous regarder. Non, ça ne se fera pas comme ça. Vous allez dégager. Bala Samoura. Vous êtes en train de voler aujourd'hui. Le nombre de camions que vous aviez avec le monsieur là, de Dapompa, tu penses qu'on n'est pas au courant? L'argent, ce que vous êtes en train d'accumuler là, vous pensez que nous ne sommes pas au courant? Wallah, c'est vous qui allez être des perdants. Tous les grands dictateurs, je vous ai dit, ce n'est pas maintenant là qu'on peut imposer la dictature à un peuple. Non. Vous voyez, vous coupez l'internet, ce n'est même pas ça la solution. Au lieu de vous mettre au travail, au lieu de satisfaire le peuple, non. Vous pensez que c'est l'arrogance, c'est la force. Des gens comme vous, pour moi, vous êtes comme des brebis. On a besoin, vous avez besoin des bergers, c'est-à-dire d'un berger pour vous guider. Vous savez, quand vous laissez les bétails dans un pâturage, s'ils ne sont pas guidés, ils vont tout gâter. Vous, les responsables du CNRD, vous êtes comme des bétails. C'est-à-dire, on doit vous corriger. On doit vous corriger, on doit vous guider. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Avec ça, c'est vous qui allez refonder ce pays. Des vauriens comme vous, vous n'avez pas de vision. Que c'est vous qui allez nous commander. Et on doit s'asseoir. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez notre pays par rapport au pays de la sous-région. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Quand on a la tête d'un pays, c'est pour satisfaire le peuple. Et il y avait le courant, 24 heures sur 24. Le jour du coup d'État, il y avait le courant partout. À Zéro Corée, il y avait le courant. Le jour du coup d'État, bande d'incompétents, où est ce courant? Vous n'avez pas honte. Ça dit, vous n'avez pas honte de la situation actuelle. Vous dites que vous êtes des dirigeants, bande d'incompétents, de vauriens.
bande de traîtres. Toi, du nom de Haruna Idrissa, je risque de vous bloquer tout de suite. Là. En tout cas, les Guinéens, eux, ils m'entendent très bien. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas Guinéen, vous ne pouvez pas m'entendre. Bye bye. Au Burkina, où il y a l'insécurité, ça va. Au Mali, ça va. La Guinée, où il n'y a même pas de sanctions, rien du tout. Personne ne vous a sanctionné. Bande d'incompétents. 18 000. 500 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement, bande de vauriens. 2 ans, vous n'avez pas recruté quelqu'un. Ibrahim, plus de 7 000 au Burkina. Ils sont en train de créer des emplois. Mais des vauriens comme les Bala Samoura, ils pensent que ces camions qu'il a aujourd'hui dans les mines, que nous ne sommes pas au courant. Bala, nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. C'est vous qui allez perdre demain. Wallah, c'est vous qui allez perdre. Ça ne va pas rester comme ça. De la manière dont vous êtes venus, c'est comme ça, d'autres viendront vous balayer. Si vous voulez, ne parlez même pas d'élection. Si vous voulez, n'apportez même pas de nouvelle constitution. Ça fait 2 ans, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Un pays comme la Guinée, 2 ans, il n'y a pas de constitution. Bande de vauriens, de tocards. Est-ce que les Guinéens, les 2 dernières années, avant le coup d'État, les Guinéens même pensaient à faire de courant. Les Guinéens pensaient à autre chose. Les Guinéens pensaient à autre chose. Bande de vauriens, vous nous ramenez à zéro, en arrière, 20 ans en arrière. Et quand les jeunes sortent pour manifester leur colère, au lieu de trouver des solutions pour les calmer, et comme faisait au temps du président Fakonde, on envoyait des délégations, on trouvait des groupes en entendant de finir les barrages. Non, les arrogants, les vauriens, ils n'ont pas de solution. Pour eux, la solution, c'est les armes comme ils ont fait le coup d'État. Je vous ai dit, ces gens ne connaissent que le rapport de force. Ces vauriens ne connaissent que le rapport de force. Ces vauriens ne connaissent pas le dialogue. Diyagi Tari, CNRD Mireille, Emouyagima. Je vous dis, ce sont des bétails, ces gens-là. On a besoin de les mettre le feu derrière. Quand vous mettez les bétails dans le pâturage, il faut les guider. Faut la Guinée sorte en Angakili. Faut que la population se lève. Ceux-là ne connaissent que le rapport de force. Naga, c'est des bétails, ces gens-là. Emu Yagima. Emu Tessa, Diehoremu, Emu Masarama. Asseyez-vous. Que le CNRD va partir. Je vous ai dit, Walloy, seule la force fera partie ces bandits. Ils sont venus par la force. Ils doivent aller par la force. Diyagi Tare. Ils ont quel diplôme? Regardez le pays. Quel secteur aujourd'hui, depuis l'arrivée des bandits? Vous allez dire, ah, l'amdoulilaï. Ah, l'amdoulilaï. Sur un plan. Ça dit, au départ, on est venu, on a libéré le peuple de Guinée, on a libéré les gens. Mon œil, je vous avais dit, vous avez affaire à des bandits. Je vous avais dit ça. Dès le départ, vous aviez affaire à des bambatoumani. Ébéré Mima, ils aiment boire. Ce n'est pas des musulmans. Et Bérémima, Guinée Rafa Ema, Kobri Rafa Ema, Kanana, si tous les trois là sont complets dans la vie de quelqu'un, non, Inara Tongoya a fini dirigeant là. Donc je vais vous laisser.